Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole des dieux avec les révérends pasteurs Kilouba ou Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Très chers auditeurs en ligne, très chers auditeurs qui nous suivez d'une manière assidue parmi les nations de la terre, soit en ligne, soit par des radios périphériques de vos villes respectives. J'aimerais vous saluer de tout mon cœur au nom de la voix, de la voix des tonneurs. Job 37 le dit, mon cœur est tout tremblant. Il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez les frémissements de sa voix. Les grondements qui sortent de sa bouche. Il les fait rouler dans toute l'étendue des cieux. Alléluia. Son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis éclate un rugissement. Il tourne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Il tourne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Wonderful. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Et il est dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un seau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme étant ses créatures. C'est une voix. Et Jésus a été la voix. La voix dont Jean-Baptiste parle. Quelqu'un appartient à l'épouse et c'est l'époux. Et l'ami qui se tient là éprouve de la joie en attendant la voix. Oh, alléluia! En attendant la voix de l'époux, une voix majestueuse. J'aimerais dire à tous ceux qui me suivent que les évangiles, c'est la voix majestueuse, c'est la voix royale. Et les évangiles, c'est la voix royale. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est lui-même qui l'a dit à Pilate. Je suis né roi pour rendre témoignage à la vérité. C'est la voix majestueuse que je venais de vous lire dans Job chapitre 37. Il était le père de la voix et des voix. Et j'aimerais que vous soyez les fils de la voix comme Jacques et Jean. Il les a appelés quoi? Des Boanerges. Fils de tonnerre. Alléluia. Christ, c'est la voix. C'est la voix majestueuse. La voix de sa majesté. Quoi? J'ai dit à la terre, ne négligez pas les évangiles. C'est la voix du tonnerre qui enfanta Jacques et Jean, qui l'avait donné le nom de Boanerges. Soyez des Boanerges sur la terre. La voix de la voix. Hé, hé, hé. Il est voix étalée jusqu'au sommet de la terre. Celui qui enfante des prédicateurs. Non, pas de faux. Nous avons besoin de vrais prédicateurs qui sont des voix. De la voix. Hé, hé, hé. Voix qui embrase. Il ne refusait pas d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre, dont la voix embrasa le ciel. Et qui a dit, non seulement le ciel, mais aussi la terre. Ils seront embrasés. Hé, 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 hé. Le message d'aujourd'hui pour moi cache un mystère. Parce qu'il va enfanter des Boanerges, des fils. Il est le père des tonnerres. Tel était Jean, Jacques, son frère, qu'il a appelé Boanerges, fils de tonnerre. Dans son amour, nous rend semblables à lui, dont la voix avait embrasé. Hé, 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 il est. Je pense comment la tempête sur les lacs de Tibériade a été embrasée. Il s'est levé de sa voix majestueuse et a crié, tais-toi. Et la tempête s'est mise au garde à vous. Je ne connais pas la tempête de votre ministère, de votre vie, de votre famille, je ne la connais pas. Mais ce que je peux faire pour vous, c'est de dire à cette tempête par la voix, de la voix, tais-toi, tais-toi. Tels sont les enfants de la voix. Christ est la voix qui embrale. Il le savait embraler lorsqu'il descend à Capernaum. Ils ont été embralés. Alléluia. Hé, hé, te connaissons Dieu, le Saint de Dieu. Pourquoi le Saint? C'était le fils de celui qui assis sur le trône très élevé, pour lequel les quatre êtres vivants essaient de dire Saint, Saint, Saint l'Éternel, Dieu des armées. Et la voix avait embrasé le fondement du temple céleste. Il était fils de ce messier-là. C'est pourquoi lui aussi enfantait des Boanerges en la personne de Jean et Jacques.
Il a fait, il sait le faire encore. Il sait le faire. Le prédicateur en chef sait faire. Le prédicateur, fils de tonnerre. Dès que vous commencez à parler, les démons seront embralés. Celui dont la voix embrala le ciel, il a dit, il va embraler les embrales pour changer les choses. Moi, je veux saluer en son nom. Vous amusez même pour vous aider à devenir fils de tonnerre. J'ai besoin de pasteurs fils de tonnerre. Se mettent à parler, ils embrassent. Alléluia. Je pense à Philippe qui avait embrassé Simon le magicien. Et je pense à Paul qui avait embrassé les magiciens de Fès. Embrassez-les, fils de tonnerre. Embrassez-les. Toi, je n'ai pas besoin des étiquettes. Ceci, cela, ça ne sert à rien. J'ai besoin de l'étiquette vivante. C'était Jacques et Jean. Il en a donné nom de Boanerj. Fils de tonnerre. J'aimerais que vous puissiez, par votre prière, lâcher stère de tonnerre. Comme Samuel, lorsque les Philistins étaient rassemblés, ils sont montés sur le territoire d'Israël. Ils ont pris les villes d'Israël. Mais il y avait un fils de tonnerre. C'était Samuel. Il a offert un agneau de lait. Il a invoqué le tonnerre. Alléluia. Invoquez-les pour récupérer les choses que Satan vous a ravies. Et quand il avait invoqué le tonnerre, la Bible dit, Dieu avait fait entendre le tonnerre sur le prince des Philistins. Ils ont pris la fuite. Dieu les villes que les Philistins avaient prises sur Israël. Reviens, ramenez les choses volées. Satan n'a pas d'autres oreilles pour entendre. Il n'entend pas les langages doux. Il n'entend que les langages de tonnerre. Le prince des ténèbres entend que les langages de tonnerre. C'est comme ça. Ils ont entendu, après l'invocation de Samuel, les tonnerres, ils ont pris la fuite. Le Dieu des tonnerres n'est pas mort. Il vit encore. Ça, c'est Samuel. Il y avait des siècles bien avant. Mais regardant l'épisode de Jean chapitre 12, Jésus dit, mon âme est troublée, il invoque son Père. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, mais c'est quel nom? Alléluia. C'est pourquoi je vous demande d'évoquer le nom du tonnerre. Père, glorifie ton nom. Et une voix se fit entendre. Je l'ai glorifié. Je l'ai glorifié encore. Et encore. Mais la foule qui était là avait entendu un tonnerre. Il avait invoqué le Père tonnerre. Puis c'était fils de tonnerre. Et je pouvais dire des Jean et Jacques que c'était des petits-fils du grand-père tonnerre, le père du tonnerre Jésus. Ils étaient. Et quand il a évoqué, ce n'était pas simplement les prince des Philistins qui avaient pris la fuite. Mais dans cet épisode de Jean chapitre 12, la Bible déclare, maintenant a lieu le jugement du prince de ce monde. Et il sera jeté dehors. Jetez-les dehors. C'était le prince numéro 1. Le chef de prince du monde. Et Jésus l'avait jeté dehors. Comme son ancêtre Samuel en invoquant le nom du tonnerre avait jeté hors des villes d'Israël les princes des Philistins. Et la Bible dit que les princes des Philistins ne reviennent plus sur le territoire d'Israël. J'aimerais que votre église, que votre ministère, votre famille soit libérée, soit débarrassée des princes des ténèbres. Oh, alléluia! Alléluia! Mettez-les dehors en invoquant les noms tonnerre. Et Jésus a fait ça des années plus tard, comme son ancêtre Samuel avait fait des siècles bien avant. Ça fonctionne. Moi, je vous ai salué au nom du tonnerre suprême, Sa Majesté. Il y a eu les gens qui se sont appelés Sa Majesté pour qu'à sa première de la République centrafricaine. Mais il a été embranlé par le tonnerre de la mort. Il est mort. Mais Jésus, il est allé dans le monde qui embrale. Les liens de la mort, la Bible déclare, j'ai voyé le Seigneur à ma droite pour que je ne sois pas embranlé. Il y a le monde qui embranle. Mais lui n'a pas été embranlé, puisqu'il était fils de tonnerre. Au contraire, les liens de la mort
Non pas qu'ils les retenir, ils l'ont lâché. Oui, c'était fils de tonnerre. Ils avaient embralé. Ils sont encore embralé. Sa voix est extraordinaire. Quoi, j'ai dit à la terre, prenez au sérieux ces évangiles. On lui dit, je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. C'est une puissance, alléluia, de Dieu. C'est la voix qui embrale les évangiles. Ils ont traversé les âges. Utilisez-les pour embraler. Nous allons évoluer. Sujet que je vais traiter aujourd'hui s'intitule Nécessité absolue de la parole parlée et écoutée. Alléluia et alléluia. Nécessité absolue de la parole parlée. C'est la voix qui embrale. Une nécessité absolue. C'est dont la terre a besoin de la parole parlée. C'est la parole parlée. Suivez-moi. Je vais traiter aujourd'hui. On va essayer de s'organiser. Nécessité absolue de la parole parlée. Écoutez. Nous allons lire dans Luc chapitre 10. Ce n'est pas Kilouba qui l'invente. Non. On va dire, il a toujours des thèmes à lui. Non, je les tire dans les thèmes du Seigneur lui-même. Dans Luc chapitre 10, verset 39. C'est là que j'ai tiré mon sujet de la semaine. Luc chapitre 10, verset 39 jusqu'au verset 42. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutez sa parole. Alléluia et alléluia. C'est la parole parlée. Jésus parlait. Il parlait. Alléluia. Alléluia. Elle est assise au pied du Seigneur. Écoutez sa parole. Il parlait. Nous avons besoin de femmes qui sont amoureuses de la parole du Messie. Elle est assise à ses pieds. Écoutez sa parole. Marie de Magdala s'est assise au pied du Seigneur. Écoutez sa parole. 40. Marthe, occupée à diverses soins domestiques, suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit en colère, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Nécessité absolue de la parole parlée. Écoutez, c'est Jésus qui le dit dans le verset 42. Une seule chose est nécessaire. Alléluia. Une seule chose est nécessaire. Vous allez comprendre pourquoi c'est nécessaire. Une seule chose, pas deux, pas trois, pas quatre. Quelles sont les choses nécessaires pour toi que tu demandes au Seigneur? Souvent les gens demandent, Marie est en train de demander ici un coup de main en matière domestique, en matière de la cuisine. J'y reviendrai. Et c'est la même chose que Satan va demander à Jésus de demander à son père. Le pain, le pain. Mais Jésus est resté là où était Marie de Magdala. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Choisissez la chose absolument nécessaire. Une seule chose, dit Jésus de Nazareth, est nécessaire. Elle a choisi de s'asseoir pour écouter, alléluia, alléluia, la parole, pas de n'importe qui, mais la parole du Rabouni, du Seigneur. Cette femme était amoureuse de la parole du Seigneur. Et je crois qu'il est comme l'apôtre Pierre qui avait dit, où irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Nous avons connu que tu es le Christ et que tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre était amoureux de la parole de la vie éternelle. Commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'était la chose nécessaire, une seule chose est nécessaire, dit le Christ. Marie a choisi la bonne part. Il ne lui sera jamais ôté. C'est la même part que l'apôtre Pierre avait choisi. Quand je lui ai demandé, vous ne voulez pas se suivre les autres là qui sont partis? Et l'apôtre Pierre dit, où irions-nous? À qui d'autre? Alléluia. À qui? Pourquoi vous allez à ces machins? À qui d'autre? À qui d'autre?
contre. J'ai dit aux Arabes, pourquoi vous allez vers ces machins, machins, machins? Ils n'ont pas les paroles de la vie éternelle. Et l'apôtre Pierre dit, à qui d'autre irions-nous? Nous avons connu que tu as les paroles de la vie éternelle. J'aimerais que vous puissiez être du clan de Marie, de Magdala, pour les femmes du monde et les filles du monde. Et du clan de Pierre, pour les hommes du monde ou les jeunes hommes du monde. S'asseoir à ses pieds pour écouter, écouter sa voix. J'aime bien la parole de Dieu qui est dans Proverbes chapitre 1, verset 33. Celui qui m'écoute reposera avec assurance sans craindre aucun mal. Alléluia! Alléluia! Hé, 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 hé! Si le monde écoutait, écoutez, celui qui parle, dit gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, dit au Dieu, dont la voix imbrala, écoutez-le! Je pense lorsqu'il était avec lui sur la montagne de transfiguration, Dieu a dit ce que je vous dis aujourd'hui. Celui-ci est mon fils Eli. Écoutez-le! Hé, hé! Et je crois que l'apôtre Pierre avait raison. Lorsqu'il avait répondu à Jésus, à qui d'autre irions-nous? Nous avons connu que c'était les paroles de la vie éternelle. Et je crois que Marie de Magdala avait raison. Et s'était assise au pied de Jésus pour écouter sa parole. Tous les deux s'inscrivaient dans l'exhortation et l'ordre du Dieu éternel. Celui, c'est mon fils Élie. Écoutez-le, écoutez-le. Hé, 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 hé. Et Proverbe chapitre 1, verset 33, celui qui m'écoute reposera avec assurance sans craindre aucun. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est écrit dans la Bible, délivre-nous du mal. Et moi, je vous dis, si vous écoutez le Seigneur, il va vous délivrer du mal. Car la Bible est claire là-dessus. Celui qui m'écoute reposera avec assurance sans craindre aucun mal. Hé, 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 hé. J'aimerais vous placer sous la haute sécurité. Alléluia. Et alléluia. Un jour, j'ai décollé de Johannesburg. J'ai rentré à Lubumbashi. Et ça, c'est un témoignage. J'entends une voix claire et nette dans le ciel. J'étais assis dans l'avion. Il dit, cet avion est sous une haute sécurité. Alléluia. 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 Les gardiens des missionnaires est vivant. J'aimerais que tout soit sous une haute sécurité. Mais à condition de l'écouter, celui qui m'écoute reposera avec assurance sans craindre aucun mal. Vous êtes sécurisé, vous qui écoutez. Et je pense à ce texte ici. C'était la déclaration. Une seule chose est d'une nécessité absolue. Selon Jésus, la parole parlait. Écoutez. Puisqu'il avait écouté son père qui avait parlé ce jour-là au Jourdain lors de son baptême. Et c'est cette parole qu'il dira d'abord à Marthe. C'était. Marthe était la deuxième personne à qui j'ai déjà dit la parole. Parlez et écoutez. Une seule chose est nécessaire. Celle-ci a choisi la bonne part. Mais Jésus l'avait dit juste après son baptême au diable. C'était la toute première personne avant de le dire à Marthe. Et il avait dit, tous, ils sont autour de la nourriture. Marthe est en train de pousser Jésus à ce qu'il puisse réquisitionner sa petite sœur en matière de la cuisine, qui viennent m'aider pour les repas que je prépare pour vous. Jésus lui dit, tu t'agites pour beaucoup de choses, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais celui-ci a choisi la bonne part. Une seule chose est nécessaire, disait Jésus à Marthe. Mais au diable, il avait dit quoi? Quand Satan commença à les pousser aussi toujours autour de la nourriture, change ses pierres ici et mange. Car tu as faim. Jésus lui a parlé d'une autre manière, la parole qu'il allait dire plus tard à Marthe. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nécessité absolue de la parole, parler, écouter. Alléluia. Jésus l'avait dit à Satan lui-même, qui avait commencé à l'agiter pour les besoins de son ventre, pour qu'il mange. Comme Marthe aussi a commencé à vouloir détourner Jésus de parler et détourner aussi sa sœur d'écouter. Jésus n'a pas voulu se laisser prendre et parler. Ne vous laissez pas détourner de la parole et parler. Et pour ceux qui écoutent, ne vous laissez pas détourner à écouter les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Vous l'avez dit. Et Jésus, c'est la part que Jésus avait choisie au départ de son ministère.
Dieu qui parlait du haut du ciel. Jésus est sorti. Alléluia. 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 La Bible dit quoi? Jésus sortit saint de puissance. Puisque il avait choisi la meilleure chose. Alléluia. Lis chapitre 4 et le verset 2 et le verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre que devienne du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais si vous allez dans Matthieu, on dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que Jésus avait choisi aussi la bonne part au départ de son ministère, écouter. Il s'était assis au pied de son père pour l'écouter. Il avait écouté la voix du tonnerre. Le verset 14. Jésus, revêtu de puissance de l'esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandait dans tous les pays d'alentour. C'est pourquoi je parle de la nécessité absolue de la parole parlée et écoutée. Comme Jésus avait écouté cette parole, il a reçu les droits de ceux qui écoutent. Alléluia. Et alléluia. Recevez vous qui écoutez. Dans Proverbes chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 23. La sagesse crie, alléluia, dans les rues, l'élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux brillants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles, alléluia, alléluia. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité, vous écoutez de n'importe quoi? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Le verset 23. Tournez-vous pour écouter mes paroles, mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Alléluia. Quand on écoute, il est dit ici, le verset 23. Tournez-vous pour écouter mes paroles, mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je ferai connaître mes paroles. L'honneur est à ceux qui écoutent. La seule chose nécessaire, la parole parlée, c'est un manteau d'honneur. C'est l'esprit de Dieu. J'aimerais que vous puissiez avoir l'esprit de Dieu. C'est le manteau d'honneur pour ceux qui étaient assis au pied de Christ durant 3 ans. Alléluia. Alléluia. Tournez-vous vers moi pour écouter mes paroles. Et je répandrai sur vous mon esprit. Ça, c'est ce proverbe. Mais dans le livre d'Élie, chapitre 24, il dit à ceux qui étaient assis à ses pieds. Chapitre 24, le verset 45. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Et alléluia. L'honneur était pour ceux qui étaient assis pendant 3 ans, 7 pieds. D'aller les donner les manteaux de son esprit. Alléluia. Alléluia. Il les a donné. Et je crois, pendant que je vous parle, vous allez recevoir ces manteaux de ceux qui s'assoivent pour écouter. C'est pourquoi la parole dite par Jésus dit, tout disciple accompli sera comme son maître caché, les mystères. Donc quand vous arrêtez pour écouter sa parole, il va répandre sur vous l'esprit. Quoi? Nous pensons, prophète Samuel, il avait arrêté. Saül, arrête-toi, je te ferai entendre les paroles de Dieu. Pourquoi vous ne trouvez pas du plaisir à entendre les paroles de Dieu? Et vous frustrez vous-même de ce qui est à la chose nécessaire. Écoutez la parole, ça vous conduit à la réception de l'esprit, non pas d'un ange, mais de l'esprit de Dieu lui-même. Je répandrai sur vous mon esprit. Vous savez que les paroles que Jésus a dites, ce n'était pas lui. Il a dit, les paroles que je vous ai dites, ce n'est pas moi. C'est mon Père. C'est mon Père. C'est mon Père. Et comme Samuel avait arrêté Saül pour entendre les paroles de Dieu, et ensuite l'a versé sur lui les fioles d'huile. Et les fioles d'huile a été versé sur lui. Jésus aussi les avait arrêtés, alléluia, pour entendre les paroles de son Père. Et au bout de 3 ans, il a répandu sur la
puissance d'apôtre. Je proclame ce message d'aujourd'hui. Une source de la puissance est d'en haut. Puisque vous écoutez la parole de Dieu comme nécessité absolue, nécessaire, la chose nécessaire. Les gens n'ont même pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Horrible, et c'est terrible. Mais au bout de 3 ans de l'écoute de la parole de Dieu, les apôtres reçoivent les manteaux d'honneur. C'est extraordinaire. Je pense aux femmes dans le monde. Je pense aux jeunes filles. Changez de vos agitations. Comme Marthe. Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Changez. Vous agitez, vous inquiétez pour beaucoup de choses. J'ai une femme, comme Marthe. Mais il y avait aussi une femme qui avait changé. Elle avait changé. C'est la femme samaritaine. Qu'est-ce qui a agité la femme samaritaine? Number one, les mariages. Puisqu'elle était au 5e divorce. Tu as déjà eu 5 maris. Et celui qui est à la 6e. Vous savez, cette femme avait des agitations. Légitime, c'est légitime d'être agité, d'avoir un mari, une femme. Et tu te suis, c'est légitime. Mais ce n'était pas nécessaire. Alléluia, alléluia. C'était une femme qui était assise, qui était agitée. Mais la grâce lui a été faite. Dans Jean chapitre 4, elle s'est assise au pied, au même pied où Marie de Magdala allait s'asseoir. Regardez le verset 25, Jean 4, 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, car il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Alléluia. Et quand elle s'est arrêtée, alléluia, je lui ai dit, tu peux boire cette eau-là, tu auras encore soif, mais l'eau que je te donnerai, j'irai en toi. Il parlait de quoi? De l'Esprit. C'est Jean qui le dira au chapitre 7 de son évangile, après ce chapitre 4. Cette femme samaritaine s'est assise au pied du rabouni. Et Jésus a reparti immédiatement sur lui son esprit de témoignage. Alléluia, alléluia. L'esprit de la parole parlait, créa les esprits de la parole parlait. Alléluia. Oh, l'esprit créa. L'esprit de la parole parlait, créa. Les esprits de la parole parlaient. Cette femme, regardez ce qu'elle va faire. Le verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point Christ? Il sortit de la ville vers lui. L'esprit de la parole cria, les esprits de la parole, femme samaritaine, est devenu un esprit de la parole. Parlez, parlez aux villes. Recevez la grâce des femmes qui parlaient aux villes. Puisqu'elle était assise au pied de la parole et parlait. Quand le Messie viendra, il va nous enseigner. Il va nous parler. Et c'était la chose, nécessité absolue, de la parole parler, écouter. Et cette femme est devenue un esprit de la parole parler. Puisqu'elle a parlé. Le Christ aussi, après avoir écouté la parole de son Père, il est devenu l'esprit de la parole parlait. Il est devenu prédicateur. Puis le Seigneur, sur moi, il m'a envoyé pour annoncer des bonnes nouvelles aux malheureux. Et Jésus a été envoyé par l'esprit de la parole parlait pour parler à la terre. C'est pourquoi celui qui l'avait envoyé avait exhorté la terre. Celui, c'est mon fils Élie. Écoutez-les. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui m'écoute, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. La femme samaritaine aussi, pour avoir écouté la parole parlée, est devenue une femme de la prédication pour sa ville. Mais je pense aux 120 qui étaient dans la chambre haute, qui devaient les esprits de la parole parler. C'est extraordinaire ça. Hein? Les 120 font asseoir les langues de toute la terre pour écouter les esprits de la parole parler. Créé par la parole, parlez. Alléluia. Alléluia. J'aimerais, ils se sont assis. Écoutez les témoignages. C'est pas moi qui l'invente, non, pas du tout. Mais écoutez les témoignages de ceux qui se sont assis au pied des 120. Le chapitre 2
des actes des apôtres. J'aimerais que vous puissiez écouter les témoignages. L'esprit de la parole parlait, avait créé. Les esprits de la parole parlaient les 120. Les versets 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparirent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils sont en train de parler. Et le verset 5. Je vais aller un peu plus loin. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les sacerdotes. Les 120 ont fait asseoir l'échantillon de toutes les nations de la terre. Alléluia et alléluia pour les écouter. Et ça c'est fort, ça c'est fort. J'aimerais que Jésus, l'Esprit de la parole, parle face de vous des instruments qui font asseoir les nations, les villes, pour écouter la parole de Dieu, afin que la pluie tombe. Alléluia. Alléluia. Je vous l'avais salué dans Job 37. Après qu'il ait parlé, il lâche une pluie abondante. Alléluia. Alléluia. Ici, nous voyons les 120 qui sont devenus des esprits de la parole parler. Ils ont fait asseoir l'échantillon de... Ça, c'est pour ça. Hommes de toutes les nations qui sont sous les cieux, au bruit qui y dit, l'amitié accourut. Elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa... Ça, c'est faux, ça. Nécessité absolue de la parole parler et écouter. Ils les ont écoutés. Et ils ont parlé. Et ils les ont écoutés. Alléluia. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Alléluia. Qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle? Parthe, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Égypte, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de Libye, voisins de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs prosélytes, crétois, arabes, comment entendons-nous parler dans nos propres langues? Alléluia! Les merveilles de Dieu! Et alléluia! Cet échantillon des nations sont au pied des 120 qui sont devenus des boanerges, des fils et filles qui tonnerrent. On les a entendus parler. J'aimerais, ils vont vous attendre. Ça, croyez-moi, ils vont vous attendre. C'est un miracle. Ces gens étaient orgueilleux. Ils ne pouvaient pas aller entendre ces gens-là. Mais quand vous avez l'esprit de la parole et parler, alléluia, ils vont vous écouter, ils vont vous entendre pour leurs intérêts. Et vous allez voir, j'ai lu un texte par rapport aux 120. Après qu'ils aient écouté, qu'est-ce qu'ils allaient recevoir? La même chose comme Saïd, la même chose comme Jésus. Tournez-vous pour m'écouter et je répandrai sur vous, alléluia, alléluia, mon esprit. Actes chapitre 2. Le verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous. Non, ils ont posé quand même la question. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, où ils seraient. Là, Pierre a continué comme porte-parole de 120. Que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons. Et aussi après avoir entendu. Alléluia. Ils reçoivent Monsieur Joël. Alléluia. Ils reçoivent Monsieur Joël. C'est que l'apôtre Pierre ici est en train de leur dire, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin et aussi en grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Et le verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Wonderful, wonderful, wonderful. Joël est devenu réalité comme chez la femme samaritaine. Vous allez recevoir l'esprit qui parle. Et j'aimerais que le Seigneur se vous aide ou qui nous suivez. Il est très important. Vous savez que cette parole que nous avons entendue de Dieu dans Proverbe chapitre 1, verset 20 jusqu'au verset 25, par là je crois, de lui-même connaît les dons de son esprit. Ceux qui écoutent, tournez-vous vers moi pour m'écouter et je répandrai vous mon esprit. C'est la même leçon
que le prophète Samuel donne à Saül. Arrête-toi, je te ferai entendre les paroles de Dieu. Et dès qu'il s'est arrêté, il a écouté la parole. Et on a répandu sur lui. Alléluia. Une fiole d'huile. Alléluia. Il est devenu un esprit de la parole parlée. Et c'est Saül qui lui dit, lorsque tu vas me quitter, ça change un autre homme. Tu vas parler comme le prophète. Alléluia. Alléluia. Si vous nous écoutez, vous allez parler comme les grands prédicateurs de l'église. Alléluia. Alléluia. Puisque Saül s'est arrêté pour écouter Samuel, et Samuel a dévissé sur lui une fleur d'huile, il a été changé. Soyez changés en des prédicateurs puissants, comme les patrons lui-même. Vous savez que Jésus était un prophète puissant. Alléluia. En parole et en œuvre. Alléluia. Si vous écoutez, je vous l'ai dit, je vous lance un défi. C'est ma parole et je la tiens du Seigneur. Vous serez comme Jésus. Comme Jésus. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai fait. Il en fera des plus grandes. C'est ce qu'il a dit. Les paroles que vous entendez, ce n'est pas moi, c'est mon Père. Les œuvres que j'ai fait, ce n'est pas moi, c'est mon Père. Il dit que Jésus, au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en parole. Alléluia. Et en œuvre. Il est puissant. Encore et encore. Et veut faire de vous des esprits puissants. Alléluia. J'ai sans l'onction qui pouvait vous prendre, vous baptiser par force. Dans cette grâce de la parole puissante et des œuvres puissantes. Tout cela, puisque vous avez choisi la chose la meilleure, une seule chose est meilleure. Écoutez la parole de Dieu. Ça répand sur vous son esprit de puissance en parole et en œuvre. Oh, alléluia. Tel a été, tel a été. Tel vous serez, tel il y sera. Oh, alléluia. Tels ils seront ceux qui suivront ces principes immuables. La nécessité absolue de la parole parlée, écoutez, ça mène le ciel à s'ouvrir. Alléluia. Comment vous faire entrer cette pensée dans vos têtes et dans vos cœurs? Parce que si vous puissiez consommer cela pour votre bien, non pas pour l'intérêt de Kilouba, non pas du tout, pour votre intérêt. Laisse-moi terminer rapidement puisque le temps vient de nous filer. On est vers la fin. Laisse-moi lire dans Galates pour vous. Galates chapitre 3. Écoutez ce que l'apôtre Paul aussi dit. Et le verset 5. Celui qui vous accorde l'esprit, écoutez, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Quand nous prêchons par la foi, il va vous accorder l'esprit. Et il va opérer les miracles. Alléluia. Bienvenue les miracles maintenant là. Les miracles sont rendez-vous de ceux qui écoutent la parole. Alléluia. Alléluia. Et dit, celui qui vous accorde son esprit. C'est une parole assez forte ça. Galates 3 et le verset 5. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère les miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alléluia. Et ça c'est extraordinaire. Le temps vient de nous filer, je crois qu'on s'est obligé de nous arrêter un peu par là. Pour d'autres choses, on les verra bien à venir. Et j'aimerais que vous puissiez, tout ce qui m'intéresse moi, que vous puissiez recevoir. C'est par là, 3 ans, on lâche à Joël pour chasser la grande armée de toute la terre. Puisque l'esprit âgé, il a mandat de chasser les démons. L'ennemi viendrait comme un flamme, mon esprit les mettra. Comment vous incorporez dans cette grâce de la chasse aux démons? Regardez. Les 70 disciples qui étaient à l'école de Jésus, on les a incorporés, on les a envoyés parler. Et quand ils ont parlé, terminons par là puisque l'état est compliqué pour nous là. Luc chapitre 10, les versets 16 à 17. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même sont soumis en ton nom. Jésus les dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ils ont chassé. Puisqu'ils avaient été à l'écoute. Et Jésus leur a donné l'esprit qui déloge, qui débarrasse les villes des esprits impurs. Alléluia. Comme plus tard, l'évangéliste Philippe avait débarrassé la ville. La Bible dit quoi? Il descendit en Samarie. Il prêcha le Christ. Alléluia. Alléluia. La parole, la nécessité de la parole, parler, écouter. Et puisqu'il avait prêché le Christ, il a parlé.
Il avait débarrassé la vie de Samarie des esprits impurs. La vie, les esprits impurs fuyaient. Chassez-les. Et ici, les 70, ils ont fait quoi? Ils ont même chassé Satan. Je voyais Satan lui-même tomber comme un éclair. Détrônez-les en étant assis au pied du Rabouni pour écouter et vous donnera la clé qui fait tomber Satan. Qui fait tomber Satan. Amen et amen. Avoir suivi, faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.